suis là pour vous faire une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. C'est une vidéo qui parle de hanbok. Donc je suis allée la semaine dernière à Samcheong-dong et j'ai eu la chance de louer entre guillemets un hanbok pour la journée. J'ai fait un petit peu un tour dans Samcheong-dong et dans Pukchonmaeul. Pukchonmaeul, c'est le village traditionnel à Séoul. Donc il y a plein de hanok. C'est la maison traditionnelle coréenne. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré. J'adore de toute façon les hanbok. Vous savez, vous me connaissez, j'adore les hanbok. Donc sans plus attendre, on passe à la vidéo. Et oui, la vidéo, en fait, je l'ai tournée la semaine dernière et maintenant je l'édite aujourd'hui, là maintenant. Donc vous voyez comment j'édite ici, sur le petit bureau. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc là, nous sommes en route pour le studio Kim Jun-dang. C'est donc un studio qui se situe à Samcheong-dong et qui est un studio de hanbok. Hanbok, c'est le vêtement traditionnel coréen et on peut donc les louer pour la journée. C'est vraiment très sympathique parce que on peut... Excusez-moi, la navigation parle. On peut donc les louer pour la journée et aller à Gyeongbokgung pour faire des jolies photos. Quand vous avez le vêtement hanbok, vous pouvez rentrer à Gyeongbokgung gratuitement. Donc voilà, c'est très bien. Bon, je suis arrivée à Kim Jun-dang et je vais choisir donc mon hanbok. C'est parti. J'ai mis mon hanbok et je vais au Hanok Maul. C'est parti.
recommande de prendre du thé de jujube parce que c'est trop bon. Et je vous laisse l'adresse quelque part par ici. Donc on est en plein cœur de Phuchon Maeul qui est le... Look at that. You just wanted to say hi. Actually, that's the coffee that I wanted to go. Green up. He's intrigued by the mic. Oh, he's scared. Look, he's scared of your the mic. It's like, when is this? Donc je viens de sortir du Hanbok Rental et j'ai rencontré en fait deux filles françaises, une qui s'appelle Kathleen et l'autre je sais pas son nom, j'ai pas demandé son nom, mais en tout cas elles étaient trop mignonnes, elles m'ont demandé une photo donc j'ai fait une photo avec plaisir. Ça m'a fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui me suivent, qui sont sur Séoul, ça fait vraiment très très plaisir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est fini, c'est la fin. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur le hanbok, par exemple. Ou comment louer, etc. Je vous mettrai plein d'informations, de toute façon, dans cette vidéo. Voilà. Bye.